just going home. I'm a late, late show. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo pas très originale, c'est-à-dire que je vais vous montrer les maillots de bain que j'ai, les maillots de bain que je porte en vacances. Alors, mon premier maillot de bain, c'est pas mon préféré, c'est un maillot de bain Burberry. Alors, je tiens à préciser, ma mère l'avait eu en foire à tout, il était neuf, mais donc elle l'a pas payé au prix original. Donc, il est comme ceci, il est vraiment archi beau. Enfin, c'est vraiment le motif Burberry basique. Sauf que j'ai du mal à le mettre. Je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, mais les maillots de bain beige sur les filles qui bronzent pas comme moi, oui parce que je bronze pas du tout, c'est pas très joli, enfin je sais pas, genre vous voyez. Et en plus j'aime pas trop le fait qu'il soit aussi bas, c'est à dire que il est pas du tout taille haute et je me sens pas trop à l'aise. En plus je déteste les soutiens-gorge sans coque comme ça, enfin les hauts de maillot de bain, donc je sais pas trop si je vais le mettre cet été, j'ai un peu du mal avec. Et voilà, mais je voulais quand même vous le présenter parce que le motif est ouf et ça montre que en foire à tout, vous pouvez trouver vraiment des trucs pas chers, même si je sais qu'il y en a qui trouvent pas ça hygiénique d'acheter les maillots de bain, vous pouvez en avoir des propres. Enfin moi j'achèterai je pense pas un maillot de bain déjà porté, mais voilà, ça peut être sympa, donc regardez en friperie, en foire à tout et tout. Ensuite, autre maillot de bain un peu original, enfin c'est un maillot de bain qui était à ma mère, donc vu comme ça, enfin moi j'ai failli le donner, j'ai bien fait de l'essayer parce que je trouve que, je sais pas, déjà la couleur elle est pas hyper belle, enfin c'est un peu du rose, genre il y a des petits nœuds, là il n'y a pas vraiment de coque, sauf que porté il est magnifique, c'est à dire que il est un peu taille haute, ce que j'aime bien, c'est à dire quand t'as mangé des pizzas avec tes potes la veille, t'aimes bien avoir un petit truc qui te cache le ventre. Et le haut, il rappelle vraiment les maillots de bain de Elisabeth Rioux, je sais pas si vous voyez. Donc, petit conseil, c'est essayer toujours un maillot de bain avant de le caser comme portable ou pas portable. Parce que c'est vrai que quand tu vois des maillots de bain en vitrine sur des mannequins ou sur Instagram, tu dis « Oh, ils sont magnifiques !» Et en fait, une fois que tu les essayes, ils vont pas. Et puis d'autres fois, tu vois un maillot de bain, tu dis « Ah, il est archi moche !» Et en fait, il est super beau porté. Donc voilà, ça c'est mon deuxième maillot de bain que je pense porter pas mal cet été. Au maillot de bain, on va passer au basique, et ça, mais oh là là, c'est vraiment le maillot de bain mon préféré. C'est un maillot de bain une pièce qui vient de chez Cyrillus, donc je crois que de base ma mère l'avait payé vers 30€ parce qu'elle l'avait eu soldé, donc c'est un coût. C'est vrai que tout le monde n'a pas envie de mettre autant d'argent, mais il vaut la qualité, c'est à dire que ce maillot de bain, ça fait 3 ans que je le porte à la piscine, je le porte à la mer, il a pas du tout d'étain, il est super beau, le derrière est un peu échancré, enfin il est pas beaucoup échancré mais un minimum, le haut il est magnifique, il est un peu décolleté mais pas trop. Et voilà, il est vraiment trop beau, vous pouvez même le porter avec un jean, voilà, les maillots de bain, une pièce avec des jeans, moi je trouve ça assez joli, si vous n'êtes pas trop gêné. Et donc c'est un autre conseil que je vous donne, c'est vraiment de mettre le prix dans un beau maillot de bain, même si parfois on n'a pas trop envie, moi non plus j'aime pas dépenser mon argent, je suis un peu radine avec moi-même, mais voilà, enfin si c'est un maillot de bain qui va vous servir des années, parce que la mauvaise surprise là des maillots de bain que t'achètes sur internet et t'arrives à la piscine, ils sont transparents, on connaît ça, hein, donc voilà, il est vraiment magnifique et il est d'un bleu, oh je sais pas, j'aime trop. Autre maillot de bain que je pense vous pourrez retrouver, c'est mon maillot de bain Calzedonia, donc je l'ai eu l'année dernière, il est beige comme ça, ah oui, un autre truc c'est que j'aime pas avoir des maillots de bain vraiment de ouf rembourrés, donc là il est un peu mais pas beaucoup, voilà, parce qu'après je sais pas, j'ai l'impression de tricher et tout, et puis je me dis ah je sais pas, j'aime pas trop et je trouve que c'est pas agréable, mais après enfin je juge pas du tout les gens qu'on mettait rembourrés, enfin aucun problème. Et ensuite, autre maillot de bain, et ça me fait bizarre de le présenter, mais c'est un maillot de bain Decathlon ou Go Sport, Decathlon je crois, donc il est comme ceci, de deux couleurs différentes. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, en fait normalement je l'avais acheté pour les scouts parce que quand t'es au scout tu te laves avec d'autres gens, donc tu te laves en maillot de bain normal quoi, sauf que au final je le porte assez souvent. Bon là j'ai enlevé une des coques, mais il est archi basique,
est vraiment sympathique. En fait, ce qui c'est cool, c'est d'avoir un maillot de bain qui craint un peu. Au final, il craint, mais j'arrive toujours à le laver et donc il n'est jamais abîmé. Mais j'aime bien avoir un maillot de bain comme ça que je peux mettre dans les rivières, dans la mer. Parce que c'est vrai que quand tu achètes un maillot de bain assez cher et que tu l'emmènes dans une rivière avec de l'eau verte et qu'il ressort, il est irrécupérable. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller faire des tours dans Decathlon, Go Sport et tout parce qu'on n'y pense pas souvent. Mais il y a vraiment des maillots de bain archi beaux et pépites. Autre maillot de bain, c'est mon maillot de bain de pièces. Qui était à ma mère, pareil, attendez, je vais regarder la marque, c'est Princesse Tam Tam, oui, tous mes maillots de bain étaient à ma mère, donc il est taille haute comme ça, il est juste trop trop beau, voilà, après ça fait un peu culotte de grand-mère derrière, et le haut pareil, il a pas de coque, donc j'aime bien, mais en même temps, enfin, je sais pas trop, je trouve que ça fait un peu mémère, après ça va parce que j'ai 17 ans, donc on se doute bien que je suis pas une petite mémère, mais quand même, le gris comme ça, c'est vraiment une couleur basique à avoir, tout comme le noir, donc... mon autre noir comme ça. Je vous conseille vraiment d'avoir une couleur comme ça, assez foncée, assez basique, pour juste si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête un jour, si vous avez juste envie d'enfiler votre maillot de bain comme ça. Voilà. On va passer au dernier maillot de bain, et celui-là c'est un maillot de bain une pièce à rayures comme ça, bustier, donc il commence à être vraiment petit, mais je pense le mettre encore pour bronzer, enfin pour bronzer, pour dormir sur la plage, parce que bronzage, voilà. Il est vraiment sympa, pareil je l'avais eu à Decathlon et franchement à Decathlon ils font vraiment des collections parfois très belles, genre enfin ça se voit pas du tout que c'est un maillot de bain Decathlon, sauf que c'est aussi des collections qui sont adaptées pour la piscine parce que c'est vrai que l'eau de la piscine ça agresse beaucoup comme le sel de la mer. Et celui-là pareil il est vraiment joli et pareil en fait on pourrait l'utiliser comme juste petit haut sous un jean boyfriend. Et par rapport aux rayures, je vous conseille vraiment si vous avez, enfin si vous êtes un peu en surpoids aussi, juste vous n'êtes pas trop à l'aise dans votre corps, parce que les rayures, moi je trouve que ça mincit pas mal, ça affine vraiment la taille, ça, je vais pas dire ça détruit la silhouette parce que je pense pas que ça se dise vraiment, mais je trouve que ça avantage vraiment la silhouette, tout comme les tailles hautes. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, j'essaie d'avoir vraiment des maillots de bain un peu de toutes les formes, de toutes les tailles, de tous les styles, parce qu'il y a des jours où je sais pas, t'as envie de juste, enfin, il y a des jours où tu te sens plus ou moins à l'aise que d'autres. J'avais juste envie de montrer un peu la réalité, c'est-à-dire les vrais maillots de bain, parce que sur YouTube on a l'impression que voilà, tout le monde a des centaines de maillots de bain archi beaux qu'ils achètent tous sur internet, mais encore une fois, je vais juste vous dire un petit message. C'est que les sites comme Zafool et tout, c'est bien, mais c'est pas non plus génial par rapport à la planète, par rapport aux gens qu'ils emploient. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris. Je dis pas que je fais mieux que ces personnes qui achètent sur Zafool, hein, parce que j'achèterai sans doute un jour sur Zafool, enfin je sais pas trop. Mais c'est juste que avoir des centaines de maillots de bain que vous portez juste une fois chacun et qui sont peut-être abîmés après ou... dont vous allez vous lasser parce que c'est plus la mode, parce que vous le voyez plus sur Insta, je trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai que voilà, c'est des maillots de bain qui sont quand même genre limite jetables et c'est pas du tout écolo, donc je vous conseille quand même d'en avoir des vos petits maillots de bain fétiches que vous gardez assez longtemps et parfois privilégier la qualité à la quantité. Bref, wow, je me suis un peu perdue, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'essaie de vous trouver des articles à peu près similaires en barre d'infos. Et bye.